Près de 500 cas de vaches atteintes de la maladie de la fièvre de la vallée du Rift sont recensés depuis fin avril. Cette maladie a d'abord été déclarée dans les provinces du Nord avant de se propager dans d'autres provinces. Chaque province prend mesure pour faire face à cette maladie. La récente décision date de ce 27 mai 2022. Elle est du gouverneur de Mwaro, le colonel Gaspard Gassansgui. Elle ordonne la fermeture des marchés des vaches, des chèvres et des moutons afin de prévenir la maladie dans cette province. D'autres gouverneurs ont pris de telles mesures dans les provinces où la maladie a été détectée, jusqu'à interdire la commercialisation de la viande, enterrer des vaches mortes des suites de cette maladie. Selon certaines organisations locales, le ministère de l'élevage devrait prendre une mesure applicable dans tout le pays pour éviter que chaque gouverneur arrête ses mesures selon son appréciation. Pour l'instant, la maladie s'est déjà étendue dans les provinces de Kayanza, Ngozi, Kirundo et Muyinga au nord, à Gitega et Karusi au centre et à l'ouest dans la province de Cibitoki et Bujumbura Mairie. Selon un communiqué de presse de la semaine dernière, le ministère de l'élevage a estimé qu'au moins 100 têtes de bovins ont été apportées par cette maladie. Les conséquences sont énormes. La fermeture des abattoirs et le commerce des bovins dans plusieurs marchés des provinces concernées crée un chômage des centaines de familles. Serge Nkurunziza, directeur général de l'élevage, a indiqué que le ministère est prêt à élaborer avec les techniciens qui sont sur terrain pour mener une surveillance conjointe de cette maladie.